Tindenge dit que, le Tutsi, lui-même, il se place devant la scène, devant sa caméra. Il met sa main dans l'ombre. Que lui-même, il va parler. Qu'il est garçon. Et il dit que, tout ce que vous bavardez sur la toile, pour lui décourager que il va abandonner les réseaux sociaux là, que vous vous trompez, il va sauf que revenir en force le Tutsi. Écoutons-le. Un bégue très intéressant. Écoutons Tik Ndenge. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile en ce moment, beaucoup de choses qui se disent. Pour moi, le plus dur est passé. Donc le reste, c'est juste des jugements à encaisser, ce que je suis en train de faire. Je vais seulement encaisser. Et je vais recommencer le travail, parce que je ne peux pas abandonner juste pour lui. Juste pour sa mémoire, je ne peux pas abandonner. Je vais recommencer le travail, parce qu'à la base, je suis là pour faire ce que j'aime faire. C'est ça que moi j'aime faire. J'aime faire rire les gens, j'aime faire... Je suis créateur de contenu vidéo web. Et je fais rire. Donc, je veux recommencer à produire ce contenu pour faire rire. J'espère avoir vos encouragements. Même si vous m'insultez, mais si encouragez-moi. Si tu vois, je ris. Like quand même. Avant de m'insulter à ma main. Comme j'ai débuté la vidéo, le but est passé. On va faire ce qu'on a recommencé avec le vieux. On va continuer ce qu'on a recommencé avec le vieux du vent de Cameroun. Donc, je remercie tous ceux qui me soutiennent. Je remercie aussi ceux qui m'insultent. Parce qu'en insultant là, ça m'aide, ça me fortifie. Je remercie aussi les traîtres qui sont autour de moi. Qui font ça avec moi, qui sont pas avec moi. Ils me vendent la cachette et qui portent mes trucs parce que les gens vont utiliser ça contre moi. Les traîtres de mon statut, je veux dire, mais c'est aussi les. Comment on appelle les gens en français? Les indiques. Les indiques de mon répertoire, je vous dis merci. Continuer. Moi, je parle de personne, je suis pas là pour faire la guerre. Il y a que Dieu et moi qui savons ce que moi je ressens au fond de moi. Laisse-toi en rester. Donc, le reste, moi, je vais continuer à faire mon travail. Je vais continuer à faire les vidéos. Comme Cabron disait souvent, Cabron, c'est les mains. Le reste, va bah, se faire. On ne parle pas de n'importe qui. Je ne sais pas si vous avez vu un enfant s'arrêter chez un arbre qui n'a pas de fruits pour jeter les pieds. Jamais. On l'appelle toujours un arbre foutu. Je vous souhaite une bonne semaine. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Un autre dit aussi que depuis que Cabrel est mort, on n'a pas entendu même un poste, ni même la voix de Longuet. Bref, écoutons-le. Oui, bonjour. Moi, c'est le métissé, l'homme de région. Je m'interroge sur plusieurs points, notamment sur l'attitude du père et grand frère Longuet, qui, je crois, jusqu'ici n'a pas fait de sortie par rapport. Odé de son petit et de son fils Cabrel. Vous savez, on peut avoir des différends avec le vivant, mais quand ce dernier est mort, on n'a pas de haine ou de rancune envers un cadavre. Donc, nous avons souhaité vraiment qu'il fasse une sortie, même si c'est maintenant, c'est pas trop tard, et qu'il parle à la famille, qu'il parle à la jeunesse avec un enseignement de pardon. Parce que nous vous regardons, nous vous observons, et quand vous ne prêchez pas par l'exemplarité, à un moment, ça devient comme nous avons l'impression que nous avons plus des paroliers que des pratiquants. Donc, il faut vraiment que Longuet cherche vraiment à arranger ce petit souci-là. S'il est vraiment le libérateur, l'ambassadeur des causes perdues, il doit vraiment prêcher par l'exemplarité en parlant à la jeunesse, en montrant l'exemplarité à la jeunesse, le pardon, l'amour, la fraternité, pour faire comprendre que vanité des vanités, tout est vanité. J'aimerais aussi, et un autre point d'interrogation, c'est au niveau de l'organisation des obsèques de notre frère Samy. Nous avons vu une mobilisation autour du feu Cabrel. Et nous espérons aussi que les blogueurs, les influenceurs, les chants, les musiciens, les comédiens, tous aussi vont se mobiliser autour du deuil de Samy. Sinon, si ce n'est pas le cas, nous risquerons de voir comme si, vous comprenez un peu, ça va susciter beaucoup de points d'interrogation. Donc, je pense que nous devons vraiment veiller à cela parce que, vous savez, les Camerounais sont devenus tellement intelligents qu'un petit mouvement ne saurait passer inaperçu. Vraiment, merci à vous, condoléances encore et un bravo à toute l'organisation des obsèques de Cabrel. Vraiment, ça, c'était très beau et vraiment, nous sommes très contents de que vous nous montrez que vous n'êtes pas seulement des gens qui sont dans le virtuel, mais vous êtes aussi réels et vous avez des cœurs comme nous tous. Vraiment, merci à vous et que Dieu continue à vous fortifier. Merci, beaucoup de courage. Je vous ai dit que j'utilise ce savon depuis 7 mois.
savon Mana. Oui, le savon qui a été mis sur pied par le meilleur salon de coiffure à Bafoussam, l'Ouest Cameroun, de Mana House. Je vous le conseille. Donc achetez pour vous et c'est disponible partout. Suivez mon regard. Are you tired of your skin looking dull and wrinkled? Are the black spots and acne on your face scaring you? Mana House Company has put at your disposal Mana Soap, the ultimate anti-dark spot, anti-acne, anti-aging solution you have been looking for. It is made with collagen, vitamin C, and kojic milk for black and naturally brown skin. It is available in cosmetic shops and supermarkets, among other places. For more information and your order, contact us on 659-443549. Je voudrais vous présenter ceci. Si tu es businessman, promoteur d'entreprise ou homme d'affaires, ceci va t'aider. Voici une superficie de 1400 m² de terrain avec titre foncé à l'appui, situé sur la route de Gousso, soit au niveau de Kolfolo, net à côté du Gémi. Une superficie de 1400 m², comme vous pouvez voir, les boutiques même à côté là appartiennent à ce terrain. Donc, c'est un terrain à louer pour tout homme d'affaires. Vous pouvez utiliser ça pour vos stations de service ou autre business. Donc, c'est à louer. Bien vouloir contacter le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir des modalités ou bien pour avoir plus d'informations. Ce terrain est à louer et c'est en bordure de la route, comme vous pouvez voir, sur l'axe de soit Université de Yaoundé 2. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.